Yo yo yo, c'est la plonge junior et on se retrouve sur le mode Aether 2. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu cette petite musique, je profite un peu. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort hein, à cause de la musique, désolé. Donc ça fait un sacré moment qu'on a pu tourner sur Aether 2, forcément. Attendez, je vais mettre en route le timer, hein, j'ai un petit peu trop la blague ces derniers temps. S'il voulait bien se mettre en route, voilà. Donc, ça fait je sais pas combien de temps qu'on a pu tourner, un ou deux mois je crois. Parce qu'il y a eu la FAQ, il y a eu le KTCB, il y a eu Shadow Axe, pardon, et compagnie. Donc forcément, Aether s'est retrouvé un petit peu en dernière position en priorité de tournage. Déjà, il y a une surprise qui n'en est pas vraiment une. C'est que pendant que je faisais d'autres vidéos, le monde a continué à tourner et Glided Games, donc les développeurs d'Aether 2, ont... Attendez, j'ai lancé le jeu, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, le monde a continué à tourner. Je vais essayer de me rappeler un petit peu du jeu, par contre. Attendez. Test de son. Ok, j'espère que ça ira, le son, parce que... Désolé. Donc, le monde a continué à tourner. Glided Games, donc l'équipe de développement d'Aether 2, a avancé dans le développement de Aether 2, ce qui fait qu'il y a maintenant une version pour 1.7.10 qui rajoute entre autres les achievements. Le problème, c'est que Minecraft, Forge 1.7. Désolé. J'ai du mal à me rappeler en fait du matos que je vais récupérer, donc il fallait que je récupère de la lave. Hein. Ah, il y a de la lumière là-bas. Y aurait-il de la lave? Mais oui, il y a de la lave. Ouais, par contre, la lave très buggée. Chouette. Plus que 5 sauts à récupérer pour le portail. Donc, Glided Games a sorti une version 1.7.10 Aether 2. 1.7.2, je sais plus. En tout cas, il y a une version 1.7. J'avais testé tout à l'heure. Le problème, c'est que Minecraft 1.7, c'est The Update ou Changed the World. Donc, la mise à jour qui a changé le monde. Qui doit être pris au sens littéral. Puisque c'est cette mise à jour-là qui a rajouté plein de biomes. Qui a changé tout le système de... comment dire, toute la partie qui était, on va dire, génération du monde, voilà. Et donc, forcément, fatalement, si je mets à jour Aether pour 1.7, ça implique qu'il faudrait que je mette à jour forcément Minecraft, enfin Forge, ce qui revient à changer Minecraft. Et donc, je me retrouve avec un souci de map. En fait, comme on a eu des soucis avec Minecraft 1.2 ou Minecraft 1.7 Vanilla, on va avoir exactement le même problème si jamais, tout simplement, si je fais simplement la mise à jour. Donc, ce que je propose, c'est que je fais une saison 1 d'Aether 2, donc en 1.6, pas de mise à jour, aucune. Je fais donc la survie dans l'Aether et compagnie, je fais les quelques donjons, et puis je refais une autre saison. Voilà, une autre saison gratuite avec les nouveaux biomes et compagnie, que là, on poussera vraiment dans une optique un peu plus Vanilla et Aether. Hein, je ne sais pas, la mise à jour 1.7.2 qui est sortie, c'est pas Mutation, c'est toujours pas la grosse mise à jour qu'on attend. Donc c'est juste un port sur une version un petit peu plus à jour. Soit je mets fin à l'aventure maintenant. Voilà, reset, je supprime, je fais une saison 2 maintenant. Soit on continue à Aether 2 et on profite pas des mises à jour. Je préfère continuer maintenant parce que en plus il y a eu quelques soucis de bugs et ils sont en train de mettre à jour des versions bug fix. Mais bon. Vaut toujours mieux attendre un petit moment avant de faire des grosses mises à jour comme ça, hein, tout simplement. Donc, pour moi, je préfère continuer comme ça en 1.6 et ensuite faire des grosses mises à jour comme ça. Je sais pas les changements qu'il y a eu en 1.7.2. De toute façon, je crois que le wiki n'est pas à jour. Donc, de toute façon, je risque pas d'être déçu. Hein. Par contre, je vais parler toujours un petit peu dans le thème Aether 2. L'une de mes amies youtubeuses, à savoir Shanatsu, a complètement reseté sa chaîne et a eu des soucis pour le modpack, enfin pour faire des mods pour son aventure, le paradis des psychopathes. Je sais pas si elle va le faire finalement ou pas, mais en tout cas, c'est moi qui ai fait son petit modpack, donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai testé la 1.7.10 tout à l'heure. C'était pas pour un Lapalizer, c'était pour... tout simplement pour sa série Le Paris des Psychopathes. Ce qui est marrant, c'est que maintenant je ne me rappelle pas du tout d'où est-ce que je suis. Enfin, les déplacements que j'ai fait. Là, j'ai l'impression que j'ai pas visité. En fait, je suis complètement perdu. Je ne serai jamais retourné chez moi. Donc, c'est un petit peu bête. J'aurais peut-être dû doter les coordonnées. Bon, c'est pas grave, hein, on va dire.
Ouais, là, faut vraiment que je retourne chez moi. Et j'ai aucune idée de comment je vais rentrer à la maison. Ça, c'est. C'est le manque de bol. Donc, ça fait déjà 5 minutes qu'on tourne? Oui, c'est possible. Voilà, donc. Va falloir. Ah, voilà, j'arrive plus à courir en fait. J'ai l'impression. Attendez, je crois que j'ai un problème dans mes contrôles. Attendez, space pour jump. Ben non, mais touchons pas. On aurait pas dû être reseté normalement. Non, non. Ah oui! On n'a pas la touche pour courir en 1.6. J'avais complètement oublié ça. Oui, sinon, il y a le zoom du mode Optifine qui est disponible sur. Enfin, qui est disponible avec le mode, avec le bon pack, on va dire. C'est l'avantage quand on installe manuellement des modes, on sait comment en rajouter. Je parle un petit peu des prévisions pour. Ok, en fait, je suis vraiment bien perdu. Des prévisions pour le paradis des psychopathes. Donc je sais pas du tout si elle le fera, mais en tout cas donc je lui ai rajouté en fait le fixe non officiel que j'ai mis dans la description de cette aventure-ci pour que ça puisse tourner sous Java 6. Hein. Voilà. Donc maintenant la question c'est mais par où est-ce que je dois rentrer? On dirait que c'est par là que je venais. En fait j'aurais dû regarder les vidéos d'avant. C'est pas une habitude que j'ai, mais ok d'accord. C'est la tuile, c'est la tuile, c'est la tuile. Aux amandes, miam. Allez, tu vas dégager le creeper. Allez! Ah, j'ai tenté, j'ai perdu. C'est pas bon pour moi ça. Ah bah chouette. Du charbon. Mais je suis un grand optimiste, hein, moi. J'en suis comme ça. Et j'ai juste aucune idée d'où est-ce que je viens. Ça fait juste 2 mois que j'ai pu tourner. J'ai juste plus aucune idée. C'est pas possible. C'est pas possible de faire une erreur débutant comme ça, de pas bien baliser son chemin. Mais attends, j'ai dû baliser le chemin. Ah mais j'ai balisé au sol comme un noob. C'est que l'entrée doit être quelque part dans le coin. J'étais tellement perdu que je ne savais pas où placer. Oh là 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 là. Mais où est donc la maison? Mais où est donc la maison? Bon, écoutez, j'ai pas envie de passer du temps à faire un truc de ce genre. Donc ce que je vais faire, c'est on va faire un truc. De gros tricheur. Et ouais, si j'ai encore assez pour crafter, ouais, ça va, j'ai de quoi crafter une. Je réfléchis à comment je vais faire pour récupérer mon bloc. Et hop, voilà, ouais, évidemment. Maintenant, il y en a un que je sais pas prendre. Voilà, voilà, voilà. Bah, adieu le bloc, hein. Ah bah non, je suis bête. Je sais équiper mon épée en fer. Oui, j'ai activé mon casque à cause des problèmes de version, hein. L'incompatibilité, c'est comme ça. Et j'ai la musique de Minecraft qui se met en route, c'est génial. Voilà, donc on va remonter. Je suis complètement paumé, c'est pas possible là. Vous êtes bien en train de vous marrer derrière votre écran. Je sais que vous êtes en train de vous marrer derrière votre écran, ça sert à rien de mentir. Voilà. J'ai à quelle hauteur? Ah, Y33 en plus. Je veux bien vous laisser la musique, mais moi elle est beaucoup trop forte, j'ai mal aux oreilles donc. Désolé, mais je réduis. Attendez, attendez, à mon avis, vous devez absolument rien voir. Ah ouh. En plus, j'ai crevé ici. Oh, putain, si je crève ici, mais c'est juste. C'est juste pas possible. Si je meurs ici, là, c'est le. C'est game over. Ça y est, j'ai plus de bouffe. Allez. Je me prends une flèche de squelette. Ah, je vais même pas pouvoir régénérer parce que j'ai que 4 autant de flèches. Oh là 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 là. Si je meurs maintenant, mais c'est le rage kit. Allez. C'est bon, on est à l'abri. Enfin, je crois. Peut-être, c'est pas sûr. Notez une coordonnée d'ailleurs. 71, 295. Ou 71. Pour. De très chers amis qui sont français. Donc 71 295. Ok. Ah, on est enfin
Dehors. Youpi. Ok, promis, juré. Ah non, j'allais dire je vais crafter une boussole, mais non, j'ai pas de boussole. Ok, donc. Maintenant, la question c'est, où est la maison? Je sais pas pourquoi, je suis tenté de dire par là. Et je peux être complètement à côté de la plaque. J'ai juste aucune idée d'où se trouve ma maison. Donc on va faire quelque chose de super cheaté. En fait, je vais me tuer. Je suis désolé de dire ça, mais... Donc 71, 295. Donc je vais me tuer. En plus c'est le jour, donc je n'aurai pas de soucis de mob. Voilà. 71, 295. Ah bah j'étais pas super loin en plus. Voilà. Je suis juste beaucoup, beaucoup, beaucoup descendu. Voilà. Ah bah donc c'est bien, on va essayer de faire une espèce d'accès entre les différents. Voilà. Tant pis pour l'XP, hein, mais bon. Complètement paumé. Faut que je regarde de nouveau l'aventure sur ma chaîne pour vérifier un petit peu pour voir comment je me suis paumé dans un trou. Si paumé, oui, pardon. Voilà. Ça se met ici. Mais on remarque qu'ils ont mis un placement accessoire pour être certain de ne pas avoir de suite de compatibilité avec d'autres modes. Mais par contre, j'ai du stuff qui aurait pas dû être. Ok. Ah, il me semblait bien. J'avais encore du stuff ici. Ouais. Ouais, c'est que ça fait toujours pas un inventaire plein. Bon, désolé pour le temps perdu, mais. J'aimerais bien retrouver les dernières affaires que j'avais. Je sais pas où elles sont passées. Elles se sont peut-être envolées, hein. On les retrouvera peut-être dans l'Izer. Ce serait marrant si dans l'Izer on retrouvait tous les. Ouais, le problème en fait, c'est que j'ai. Je sais pas où. Ouais, la faille a deux. Ah bah voilà, en fait. Ah, en fait, j'ai regardé là. Et. En fait. Oups. Voilà, je viens de perdre un point de vie comme un. Oui, un point de vie comme un idiot. Voilà, donc j'ai regardé ici. Je me suis dit, oh tiens, je vois pas la base. Et en fait, bah, le spawn, il est juste là. D'accord. Réfléchissons. Le mieux, ce serait que je passe la prochaine partie de l'épisode à tenter de faire un. À tenter de faire un tunnel pour passer directement d'ici à l'autre base. Ça pourrait être intéressant. Ce sera un gros projet à mon avis. Le fil rouge, voilà. Je parle bizarre, je sais. Voilà, donc. Bon, bah, en attendant, on va déjà stocker tout le fer en trop dans notre petite base. Et j'ai pas de redstone. Seul j'en avais.